Hey yo tout le monde, c'est Fix, comment ça va? Moi je suis Superange, de petite vidéo pour parler donc de la mise à jour qu'il y a sur le PBE depuis le 25 janvier. Je sais, je suis en retard, mais ça va arriver. Alors, équilibrage des champions. Camille, grappin E, durée de l'étourdissement augmentée à 0,75 au lieu de 0,5. Valeur live, 1 seconde. Ok. Donc, page d'avant, bah, la mise à jour d'avant, c'était passé de 1 à 0,5, mais 0,5 c'est trop court, du coup ils font passer à 0,75. Ok, retour en arrière. Ces changements sont des annulations de changements précédentes sur le PBE. Ok, les valeurs sont de nouveau celles de serveur live. Balayage tactique Z. Coup de mana rétabli à 50, 55, 60, 65, 70 au lieu de 60, 65, 70, 75, 80. Ok, le mana est redevenu normal, du coup il a PC comme il avait commenté avant. Et là, c'est Shogat. Shogat qui prend un gros up, mon gars. Pouh! Qui prend un gros buff. Alors, Shogat, festin ultime. Non plus. 50% du délai de récupération si Shogat tue un sbire ou un monstre avec cette compétence. Nombre de charges générées en tuant un champion réduit à 1 au lieu de 2. Vous pensez que c'est un nerf, attendez. Shogat ne perd plus de charges de festin en mourant. Shogat peut désormais avoir plus de 6 charges. Des charges au-dessus de 6 ne peuvent être obtenues qu'en tuant des champions avec la compétence. Les charges au-dessus de 6 apportent des bonus réduits. Et là, c'est le gros up. En gros, déjà, il peut, quand il meurt, il ne perd plus de festin, de charge de festin. Et il peut avoir 6, jusqu'à 6, en tuant des sbires, et après, il peut aller au-dessus de 6. Attention, rang 1. Plus 100 PV par charge de 1 à 6, plus 50 PV de charge de 7 à 11, à 10, et plus 25 PV par charge au-delà de 11 charges. Du coup, tu peux aller à tellement haut, c'est ouf. Ensuite, rang 2, 140 PV par charge de 1 à 6, 70 PV par charge de 7 à 10 et 35 PV par charge de 11, au-delà de 11. Et rang 3, plus 180 de PV par charge de 1 à 6, plus 90 par charge de 7 à 10 et plus 45 par charge au-delà de 11. Un gros buff de Shogat, putain. Déjà que les Shogats ça faisait bien chier, alors là, je pense que je vais jouer. On verra. Rengo, esprit sauvage, EQ, portée réduite à 2,05. Ok. Rugissement, n'immunise plus Rengo pour s'en sortir de contrôle après l'utilisation de la compétence. En gros, ça fait plus. Genre, si t'es stun, tu peux plus être des stun. Ouais, c'est chelou. Chasseur nez. Ultime, durée réduite à 10, 15, 20 au lieu de 15, 22, 30. La durée a été réduite. Ah ouais, putain. Un petit nerf de choc, de Rengo. Tristana, tir rapide, Q. Délai de récupération réduit à 18, 17, 16, 15, 14 au lieu de 20, 19, 18, 17, 16. Durée augmentée à 6 secondes, à 7 secondes au lieu de 5 secondes. Je sais pas lire, excusez-moi. Vladimir, retour en arrière, ces changements sont des annulations. Ok, vague de sang E ne ralentit plus brièvement les cibles touchées de 15%. Oh, ça c'est nul. Ça je trouvais que c'était un bon truc. Qu'on pouvait ralentir avec la flaque. Enfin bref, c'est bête. Du coup, voilà. Du coup, on a quoi? Vladimir qui reprend son E qui redevient normal. Tristana qui a un up. Rengo qui se fait nerf. Shogat qui prend un gros buff. Et Camille qui est par rapport à l'autre mise à jour est un peu buff quoi, mais c'est pas ouf. Du coup, la petite vidéo pour parler de tout ça, j'espère que vous avez aimé, hein, et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde.